Jour. veilleur où en est la nuit veilleur où en est la nuit cette phrase d'isaïe ne cesse de retentir dans la conscience chrétienne ainsi s'exprime le cardinal lustiger qui achève son dialogue avec deux journalistes qui l'interrogent de fait il réfléchit sur l'histoire en précisant la force de dieu est à l'œuvre dans le monde c'est une puissance de vie supérieure à toutes ces divisions. Par ce travail d'enfantement naissent peu à peu de l'Église les enfants de Dieu jusqu'à ce que soit achevée son œuvre. C'est l'énigme de l'histoire. Si l'histoire est une énigme, elle est surtout une nuit. C'est le mot qui revient souvent sur l'élève du cardinal Lustiger et sous sa plume. C'est précisément parce que l'histoire est une nuit, que le veilleur, qui est l'évêque, a une mission singulière, unique et irremplaçable. Si l'histoire n'était pas une nuit, il n'y aurait pas d'épiscopat. Jetons un bref coup d'œil sur l'écriture sainte. Selon la pensée de Saint Paul, les évêques doivent être appelés des serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. Ils sont les apôtres que Dieu suscite à la plénitude des temps. Dès lors, leur ministère épiscopal est d'une certaine manière celui de l'accomplissement. En effet, avec le Christ, le temps est accompli. Il est venu accomplir toutes les écritures. Il réalise ainsi la promesse en faveur d'Abraham et de sa descendance. L'histoire n'est donc plus définitivement celle des hommes gisant dans le sombre pays de la mort, pour reprendre les expressions de Matthieu et de Luc. En elle et sur elle, lui désormais la grande lumière, le Christ, lui qui est la résurrection et la vie. Cette lumière s'est levée une fois pour toutes. Dans la pensée du cardinal Lustiger, qui ne cesse de méditer l'écriture, la réflexion sur l'Église est indissociable d'une intelligence de l'histoire. Chez lui, évêque et histoire me paraissent intimement liés. Pour lui, le ministère épiscopal s'inscrit dans un double regard celui lucide qui considère la face sombre et dramatique de l'histoire humaine celui de la foi qui voit l'autre face de l'histoire. Illuminée à jamais de la lumière de l'accomplissement. Il est vrai que cette lumière est aussi vive qu'elle est cachée. C'est pourquoi le cardinal Lustiger a souvent évoqué l'histoire comme une nuit. Entendons bien, non pas parce que l'histoire est dramatique, et furieusement dramatique, mais parce que l'histoire contient en elle. Une vive lumière, une grande lumière, pour citer Saint Matthieu, mais elle est cachée. Il n'y a que la nuit qui cache la lumière. La nuit n'est pas le drame en soi. Si l'histoire est une nuit, le cardinal de l'a souvent exprimé, un jour, elle sera transfigurée de la présence lumineuse qui l'habite, le Christ lumière du monde. Il est impossible de ne pas songer souvent à ses propos sur la transfiguration de l'histoire, lui qui est parti la veille de la fête de la transfiguration. Cette lumière, lumen gentium, n'a pas vocation à demeurer cachée sous le boisseau. Mais à être discerné et manifesté aujourd'hui, au creux des événements passés et présents des hommes, afin qu'elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Pour le temps de l'histoire qui est le sien, l'évêque a la mission de la porter, comme nous le verrons. Dans le fond, le quand le Concile Vatican II fait commencer sa grande constitution sur l'Église par ces mots scripturaires lumen gentium, il médite sur l'Histoire. Sa méditation le conduit à exposer la sacramentalité de l'épiscopat. Reprenons quelques expressions conciliaires bien connues. Par le service éminent des évêques, le Christ, pasteur éternel, pontife suprême, est présent au milieu des croyants tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Matthieu 28-20. Cette expression de l'évangéliste revient trois fois. Dès le début de l'exposé conciliaire sur les évêques, il s'agit bien d'une méditation sur l'histoire. Par eux, les évêques, en tout premier lieu, poursuit le Concile, le Christ prêche la parole de Dieu à toutes les nations et administre continuellement aux croyants les sacrements de la foi. Par, le, par leur paternelle fonction, munus. Il intègre à son corps, par la régénération surnaturelle, des membres nouveaux. Par leur sagesse et leur prudence, il dirige et oriente le peuple du Nouveau Testament. Ainsi, les évêques, d'une façon imminente et visible, tiennent la place du Christ lui-même, maître, pasteur et pontife, et agissent en sa personne. De cette sacramentalité de l'épiscopat, quel éthos! De la vie épiscopale. Quel éthos de l'évêque pouvons-nous tirer Jean-Paul II, 25 ans après son élection sur le siège de Pierre, a concentré cet éthos dans l'espérance théologale. L'évêque, écrit-il, a la mission d'être prophète, témoin et serviteur de l'espérance chrétienne. C'est seulement avec la lumière et la consolation qui viennent de l'évangile que l'évêque peut garder vive en lui l'espérance. Et l'entretenir en ceux qui sont confiés à sa sollicitude de pasteur. Il se mettra donc à l'école de la Vierge Marie, Mater Spei, qui a cru en l'accomplissement des paroles du Seigneur. S'appuyant sur la parole de Dieu et se tenant fermement dans l'espérance qui est comme une encre sûre et solide qui pénètre les cieux, l'évêque est au milieu de son église, sentinelle vigilante, prophète courageux, témoin, crédible et serviteur fidèle du Christ, lui qui est l'espérance de la gloire et grâce auquel la mort n'existera plus et il n'y aura plus de pleurs, de cris ni de tristesse. Monseigneur Jean-Marie Lustiger, qui m'a écrit qu'il a choisi délibérément ces deux prénoms en mémoire du disciple bien-aimé et de la mère de Jésus, tous deux au pied de la croix, ne renieraient certainement pas cet éthos auquel son ministère épiscopal a essayé de donner corps. En m'arrêtant à son enseignement et à quelques rares souvenirs, je voudrais tenter d'exposer quelques facettes de l'éthos de l'évêque qu'il a développé parmi nous. Du point de vue objectif, cet éthos se résume dans la pureté de la foi et dans la pureté de l'amour, qui ensemble appellent à la livraison de sa vie. Du point de vue subjectif, cet éthos est tout à la fois passion et joie. Avant toute chose, évoquer l'épiscopat, c'est, en raison même de sa sacramentalité, évoquer le Christ. Cela apparaît clairement dans ce propos que le cardinal Lustiger prononça le 11 octobre 1996 à l'homélie de l'ordination épiscopale de Mgr Michel Paulien et de Mgr Éric Aumonier. Je vous propose de l'écouter. Nous sommes des envoyés de l'unique et vrai berger. Des envoyés. Même pas des employés. Car l'employé travaille pour un salaire. Et il n'est pas forcé de donner à son maître... Autre chose que ce qui est convenu dans le contrat. Un peu de son temps, un peu de ses forces, pour un salaire déterminé. Même si l'image de la récompense et du salaire est employée par le Christ, ce n'est pas le mot qu'il emploie pour nous. Nous, qui est-ce Nous, ce sont les apôtres, c'est-à-dire les envoyés. Et évêque, nous savons que dans une chaîne ininterrompue nous succédons aux apôtres que nous avons part à son ministère. Et cette certitude est capitale pour vous mes frères dans le sacerdoce car vous avez part à ce sacerdoce pour lui permettre d'être accompli, de s'accomplir, d'être rempli et vous partager très exactement la mission dont nous recevons la responsabilité prime première et dont nous sommes d'une certaine façon les garants. Ainsi, dans ce corps sacerdotal dont participent aussi les diacres, il faut remercier Dieu, comme je vous le disais en commençant, que vous ayez, que vous n'ayez pas reculé devant l'appel de l'Église, qui est l'appel du Christ, que vous ayez accepté d'être ainsi envoyé par le Seigneur pour que le Seigneur agisse selon la grandeur de son amour et cela seul. C'est de lui dont il s'agit et de personne d'autre. Nous sommes ses envoyés, nous ne sommes que ses, que ses envoyés, il nous demandera des comptes, nous lui rendrons grâce. Et nous le servons en ses frères qu'il nous confie pour que l'Église, telle qu'il la veut, accomplisse sa mission. C'est de lui seul qu'il s'agit. Nous l'avons entendu. Du Christ seul découle l'éthos apostolique. Il est sans doute impossible d'évoquer Monseigneur Lustiger sans parler de l'Eucharistie. Celui qui l'a approché, qui a vécu à ses côtés, perçoit tout de suite combien son rapport à l'Eucharistie était intense. Il suffit de se rappeler la manière dont il l'a célébré chaque dimanche soir à Notre-Dame de Paris, ou chaque jour dans la petite chapelle de la rue Barbette-Jouy, ou encore dans les paroisses d'Orléans de Paris. Son intériorité, sa présence au mystère du Christ célébré, et à l'Assemblée qui y participe, ont frappé bien des chrétiens, comme en témoigne Paris-Notre-Dame. L'eucharistie donne forme à la figure de l'Église particulière en laquelle subsiste l'Église catholique. Écoutons le cardinal Lustiger l'expliquer l'Église, corps du Christ, temple de l'Esprit, se définit par l'eucharistie. Nourrie du corps et du sang du Christ, elle se définit par le sacrifice du Christ dans l'amour qui pardonne tout, réunit, s'oublie soi-même sans jamais diviser. Que chacun, en toute vérité, se demande quel frère il aime et quel frère il refuse d'aimer. Quel amour sera manifesté dans cette Église qui se reconnaît à l'amour dont l'Eucharistie est le sacrement. Au milieu de son Église particulière, l'évêque est le grand prêtre du peuple qui lui est confié. Cela est particulièrement signifié quand dans sa cathédrale il préside l'Eucharistie au milieu de son presbytérium qui célèbre pour le peuple de Dieu rassemblé en assemblée eucharistique. Mais spontanément venue à l'esprit la pensée du grand prêtre quand j'ai vu le cardinal Lustiger célébrer à Notre-Dame de Paris entouré du presbytérium, devant une assemblée nombreuse, debout, devant l'autel du Christ, les mains levées vers le ciel, priant à haute voix la prière eucharistique. L'évêque est l'homme de l'eucharistie d'où il reçoit l'éthos à vivre. Pour une ordination épiscopale, il s'interroge pourquoi jusqu'à la mort dans, les, dans la question qui est posée à l'ordinant. Il répond parce que la vocation apostolique, c'est-à-dire l'appel à suivre le Christ, implique de partager de façon irrévocable, le sort du Christ, son martyr. Non que tout évêque meure nécessairement de façon sanglante, comme le Christ sur la croix, mais par vocation, nous devons être unis au sacrifice du Christ, nous les ministres du sacrement de son corps et de son sang, nous les ministres du pardon du Rédempteur, nous les témoins de la parole de Jésus. Si cet appel à suivre le Christ jusqu'au mystère de la croix s'adresse à tous les baptisés, les apôtres, eux, doivent en être le signe pour leurs frères. Leur vocation est de boire à la coupe du Seigneur. Par cette parole que Jésus s'applique à lui-même, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime il nous unit à ce don de sa vie. L'Eucharistie. Est le sacrement emblématique où se forge la figure de l'évêque et sa manière fondamentale de vivre. Si l'évêque est l'homme de l'Eucharistie, il est aussi l'homme de la foi en en étant le docteur pour les fidèles du diocèse où il est nommé. S'il est impossible d'évoquer l'évêque que fut le cardinal Lustiger sans parler d'abord de l'Eucharistie, il est tout aussi impossible de parler de l'évêque qu'il fut sans s'arrêter sur sa nomination à Orléans. Il n'a pas été nommé à un autre siège que celui d'Orléans. Écoutons-le. J'ai du mal à entrer dans les confidences par pudeur, mais je vous l'avoue de me retrouver dans la cathédrale d'Orléans, à l'endroit exact où pour la première fois j'avais eu l'intuition de ce mystère, le Messie souffrant, son corps livré et son sang versé, sa présence en ses frères et en l'Eucharistie, de me retrouver aux endroits où j'avais pris forme et où ma vie s'était orientée, cela donnait à chaque détail, mais vraiment à chaque détail de mon existence à Orléans une intensité extraordinaire. Je m'interdisais d'y trop réfléchir, par crainte que ma tête n'éclate. Tant dans le présent me rejoignait le passé avec tout ce qu'il comptait de souvenirs, de souvenirs personnels et de richesses symboliques. Le bureau où l'évêque d'Orléans, monseigneur Courcou, m'avait instruit du christianisme devenait mon bureau. Je célébrais la messe dans la chapelle même où j'avais été baptisé. Je retrouvais des prêtres ou des laïcs qui avaient été mes camarades de classe et voici que je les retrouvais comme leurs pasteurs, comme apôtres. » Le cardinal Lustiger en conclut immédiatement. Dieu me demandait de leur donner ce que j'avais reçu d'eux. Il faudrait relire toute la longue confidence que fait le cardinal Lustiger aux deux journalistes qu'il interroge, alors que par pudeur il n'aime pas se livrer. Écoutons seulement ceci Évêque à Orléans, c'était tout cela et tant de choses d'une richesse si insoutenable que je ne puis l'expliquer davantage. Des circonstances fortuites à peine communicables, un coin de rue, un bout de ciel, un paysage, un souvenir, un arbre, une pierre, renvoyaient à tout, à mon histoire et à celle des miens, à l'histoire de la France, à ma place dans cette histoire et à la mission que je devais désormais remplir. Et de nouveau, le cardinal Lustiger conclut. Il fallait donc être là, et j'y étais avec d'autant plus de force intérieure que je m'appuyais sur ce qui m'apparaissait un dessein providentiel sur la volonté de Dieu. J'étais habité à la fois par l'indicible douleur de la mémoire et par une allégresse intense de pouvoir rendre, servir et donner. Ainsi donc l'évêque a mission de donner de rendre ce qu'il a reçu de l'Église. Il est habité par la joie de pouvoir rendre ce qui lui a été donné. L'Église demeure toujours la mère et la maîtresse, mater et magistrat, pour tous ses enfants. C'est d'elle qu'ils reçoivent tout du mystère de Dieu et de son alliance accomplie dans le Messie crucifié d'Israël, ressuscité pour la vie des nations. Quand parmi eux, l'un d'entre eux, est choisi pour la mission apostolique alors il reçoit la mission de donner de donner et de rendre ce qu'il reçoit de l'église et rien d'autre permettez-moi de rapporter ici un bref dialogue venant d'être nommé évêque auxiliaire de Paris j'ai interrogé le cardinal Lustiger sur ce qu'il pouvait me dire de son expérience d'évêque en lui posant naïvement la question qu'est-ce qu'un évêque il m'a alors demandé as-tu célébré la messe Devant ma réponse négative, il m'a invité à venir avec lui. Nous avons célébré la messe. Après la célébration, revenu à la sacristie de la rue Barbe-Jouy, il posa ses bras sur le meuble et dit, comme s'il n'y avait aucune transition entre cette phrase et la messe qu'il venait de célébrer. Avant, tu es porté par l'Église, quand tu deviens évêque, tu portes l'Église. Tout recevoir de l'Église demeure une exigence fondamentale. Pour rester dans l'anecdote, dans la foulée de sa réponse prononcée à la sacristie, j'osais une autre question. Comment comprendre que l'évêque a un charisme certain de vérité, selon l'expression du Concile Vatican II Alors, éclatant de rire, il me répondit tout de suite Cela signifie que tu dois travailler dix fois plus que les autres. Effectivement, on n'a jamais fini de recevoir de l'Église sa mère. On n'a jamais achevé le labeur qui fait entrer dans l'intelligence de la foi dont l'Église est maîtresse, magistrat. Pour donner et rendre comme docteur de la foi, l'évêque est appelé au sacrifice de louange qu'est la remise active de son intelligence et de sa mémoire au mystère du Christ dont l'Église seule est la dépositaire. Garder le dépôt de la foi se fait au prix. D'un amour particulier de la vérité, un amour qui livre sa vie pour elle afin de la recevoir de l'Église comme sa propre vie. Cela s'exprime de façon radicale dans la vie de l'évêque d'Orléans puis de Paris que le cardinal Lustiger fut pour le peuple du diocèse d'Orléans et du diocèse de Paris. Car rendre et donner ce que l'enfant de l'Église a reçu, ne signifie pas transmettre un savoir, à qui, après un laborieux travail intellectuel, il s'agit ni plus ni moins d'un don particulier, celui de l'apôtre qui perd sa vie pour son peuple. Je le voyais bien, confit le cardinal. Ce qui m'était demandé en devenant évêque touchait à mon engagement personnel le plus profond. J'avais un grand amour pour ce peuple qui était là. L'amour que le Christ lui porte, et beaucoup me témoignaient une très grande amitié. Mais je le voyais aussi, sans céder à l'imaginaire, que ce serait pour moi une manière de prendre part à la passion du Christ. Je n'avais aucune illusion là-dessus. Quand j'avais été nommé à Orléans, ma première pensée avait été que la cathédrale d'Orléans est dédiée à la Sainte Croix. Cela aussi paraissait faire partie des logiques les plus intimes et j'en avais une conscience suraiguë. Une page plus loin, comprenant qu'il lui fallait rester lui-même, sans chercher à être un autre que lui-même, il fait une ultime confidence en évoquant le cardinal Marty. Le cardinal Marty nous en avait donné l'exemple en une période délicate. Il me fallait, à mon tour, apprendre ce qu'il avait appris, aller là, où je ne voulais pas aller. Ne fait-il pas référence ici au récit évangélique qui décrit par excellence la vocation de l'apôtre quand il nous a rapporté le suis-moi à la fin de l'évangile de saint Jean Mais ce je ne voulais pas aller indique clairement l'éthos de l'évêque, la volonté résolument offerte à plus grande qu'elle-même. Comme il eut l'occasion de l'expliquer au sujet du cardinal Mizzanti, cet éthos est tout autre chose qu'un volontarisme aveugle ou une force de caractère qui impose sa volonté ou encore une volonté d'action capable de réaliser. Cet éthos de la volonté épiscopale n'est pas autre chose qu'un amour qui conduit la volonté a trouvé sa joie véritable et sa cohérence de fond dans la communion à la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés, dans la communion à la volonté du Christ qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle. L'amour est en quelque sorte devenu un mouvement qui emporte totalement la volonté humaine de l'homme assumant le ministère apostolique dans la seule réalisation du dessein de Dieu. L'Église, ce n'est rien d'autre que la charité pastorale qui brûle jusqu'au bout, estime le cardinal Lustiger, citant un évêque qu'il a admiré, monseigneur Daniel Pèzrille. Après être passé par sa nomination comme évêque à Orléans puis à Paris, il nous faut nous arrêter une, un instant sur sa mission d'évêque celui-ci n'est pas destiné à faire valoir ses opinions s'il est une passion spécifique du ministère apostolique c'est une certaine mort à soi-même en effet un évêque porte la responsabilité apostolique d'une église déterminée il doit pourvoir à ce que cette église reçoive ce que le Christ veut donner à son peuple et il en a l'autorité l'évêque doit veiller à ce que cette Église reçoive la parole de Dieu fidèlement. Il a autorité pour être le garant de la foi. Cette autorité est un pouvoir que le Christ donne, car l'autorité propre de l'évêque se situe dans cette mouvance sacramentelle du service de la charité divine. L'évêque a donc le pouvoir et le devoir d'attester la parole de Dieu. Suffit-il Écrit-il. Qu'un évêque ouvre la bouche pour que la vérité catholique en sorte Non, répond immédiatement le cardinal Lustiger. La vérité de la foi coïncide avec son universalité dans l'espace et le temps, avec la communion de tous. Le travail de l'évêque consiste de façon toute, toute particulière à entrer plus avant dans la parole de Dieu dans la vérité de la foi ou encore dans la vérité catholique. Là aussi se situe une passion particulière du ministère apostolique. La mort à soi-même n'est pas seulement la mort à ses opinions personnelles, mais aussi à la tentation d'isolement ou de travail solitaire en étant pasteur de son diocèse. L'évêque qui dit la foi de l'Église dit nécessairement la communion avec les autres évêques. Allant à Motoban pour participer au colloque qui fait mémoire de Mgr Théas, le cardinal Lustiger dévoile le cœur de la vie de l'évêque. En effet, comment comprendre que cet homme au caractère trempé, je parle de Mgr Théas, soit passé du pétainiste à la qualité de juste pour son action en faveur des Juifs au point d'être associé à la mémoire de Monseigneur Saliège. Selon le Cardinal Lustiger, sa rencontre avec les fondateurs des cahiers clandestins du témoignage chrétien n'explique pas tout. Il faut aller plus loin. Le Cardinal livre son interprétation. C'est la redécouverte de la source la plus pure de la foi. C'est sa condition de chrétien, de prêtre et sa mission de successeur des apôtres qui lui ont ouvert les yeux et lui ont donné en cette période tragique le courage et l'audace auxquels aujourd'hui nous rendons témoignage. La passion à laquelle conduit le ministère apostolique est aussi et surtout celle de l'amour. L'éthos de la foi conduit à l'éthos de l'amour et l'inclut, car la foi agit par l'amour. Le cardinal Lustiger s'en explique dans l'homélie qu'il donne pour l'ordination épiscopale de Mgr Michel Colony. Il faudrait la relire en entier. Il commente l'évangile du bon pasteur. Voici ce qu'il dit. Ce soir, Michel Colony va recevoir l'ordination sacramentelle de l'épiscopat. Le Christ lui donnera part à son ministère pastoral, lui qui a dit à Pierre Paix mes brebis, paie mes agneaux. Le Christ nous dit Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Telle est la première définition de la tâche pastorale c'est le don de la vie. Et nous devons bien réfléchir à ce que cela veut dire. Ce don n'a rien à voir avec le suicide ou l'héroïsme suicidaire ni avec l'acte héroïque de quelqu'un qui se dévouerait pour une cause. Il s'agit de la fécondité du sacrifice du Christ qui, dans l'offrande de sa vie, ouvre pour ses disciples et pour l'humanité entière le chemin de la vie et le don de la vie par la grâce du Père qui le ressuscite. Il s'agit de la toute-puissance de l'amour qui donne la fécondité divine à l'existence humaine. Il s'agit de la révélation de l'amour. Qui dans la passion du Christ nous dévoile la générosité de Dieu. Le cardinal Lustiger aboutit à une première conclusion. Voilà d'abord ce que l'œuvre du vrai berger. Voilà d'abord ce qui est pastoral, c'est de partager le, ce don de la vie que le Christ fait de sa vie afin que les hommes aient la vie. La réflexion se poursuit. Vous pourrez relire cette réflexion du cardinal Lustiger, qui est fort intéressante et qui conclut sans arrêt sa réflexion. Est donc pastoral L'amour qui Mais j'en viens directement à propos du cardinal Louis-Marie Billet et du dernier adieu qu'il prononça à ses obsèques le 16 mars 2002 à Lyon. Et enfin, le 21 février 2001, nous nous sommes retrouvés à Rome lorsqu'il a été fait cardinal. Sous cette pourpre, il est devenu vrai disciple, serviteur de l'Église. Car ce n'était pas un honneur, ce n'était pas une préminence, c'était l'abîme de l'amour dont il ne voyait que la croix et le chemin qui y mène et qui y mène et la porte qui y ouvre. Cette prééminence de l'amour dans l'éthos de l'évêque, le cardinal Lustiger en fait part à la fin de l'ordination de Mgr Michel Colony. Les brebis le suivent, le Christ, parce qu'elles connaissent sa voix. Elles comprennent son langage, dit-il. C'est le langage de l'amour que Dieu lui porte, non le langage de nos habiletés ou de nos ruses non le langage de nos intelligences ou de nos efforts. Si ce n'est pas la volonté du caractère trempé qui est l'éthos de l'évêque, mais l'amour qui emporte la volonté et donne forme à cette volonté, si ce n'est pas l'intelligence et l'habileté d'une intelligence qui fait l'éthos de l'évêque, c'est l'intelligence qui sait parler le langage de l'amour. Que, que Dieu porte à ses brebis. Et il est évident que le cardinal Lustiger a essayé de parler ce langage de l'amour. D'ailleurs, à la fin de l'homélie de Mgr Michel Colony, le cardinal Lustiger fait mémoire du père Maximilien Marie Colbet, mort à Auschwitz, qui sera bientôt canonisé à, à Rome. Il est indéniable. Que cette parole, qui est langage de l'amour, fait œuvre de discernement. Dans la cité des hommes et dans leur histoire mouvementée, tissée de clarté et d'ombre, l'évêque est l'homme de la grande lumière qui est parole de Dieu, amour pleinement manifesté. Il me revient, écrit le cardinal Lustiger, de porter un regard spirituel sur notre temps. Tel est l'éthos de l'évêque sur lequel a été invoqué l'esprit souverain lors de son ordination sacramentelle. Mais ce n'est pas le lieu d'évoquer ici dans le détail son discernement sur l'histoire de la France, pays des droits de l'homme ou de l'Europe avec ses indicibles fractures, ou dans d'autres pays du monde où il a été invité à parler le langage de l'amour. Il est cependant indispensable de préciser que l'évêque qu'il fut se sentit appelé à porter un regard spirituel sur les relations entre l'Église catholique et les juifs, entre la foi chrétienne et le judaïsme. Il est tout aussi indispensable de nommer ici le regard spirituel qu'il porta sur l'énigme redoutable de l'épreuve sans nom qui s'abattit sur l'Europe du XXe siècle, la Shoah. Me montrant le tableau fixé dans la salle Saint-Jean de l'Archevêché de Paris où il a été peint par l'artiste Ben, il me dit Pendant qu'il faisait mon portrait, je pensais sans arrêt à Auschwitz. Effectivement, sa figure peinte dans ce tableau contraste singulièrement avec celle des archevêques qui l'ont précédée. Elle est empreinte d'un poids de douleur. Plusieurs fois, j'ai vu ce poids, notamment à Genève où fut signée la déclaration Souviens-toi de Genève, qui cite le prophète Sophonie évoquant le jour de fureur, jour de nuées et de brouillard. Au cas où cela n'apparaissait pas évident, la nomination de Jean-Marie Lustiger à Orléans le rendait clair à ses yeux. Les pensées qui le taraudaient secrètement sont devenues irrévocablement celles de l'évêque qu'il fut. Ces pensées devinrent alors des pensées publiques en étant celles de l'apôtre parlant le langage de l'amour et discernant dans l'histoire présente. L'accomplissement du dessein d'amour de Dieu, son Fils fait chair et le Messie d'Israël et sa gloire, afin d'être lumen gentium. Nul doute que le successeur des apôtres qu'il devint souffrit en silence de voir des brebis du troupeau ne pas entendre ce langage de l'amour. Nul doute aussi que les fortes discussions de Paul avec les apôtres l'encouragèrent malgré le scepticisme ou le questionnement de certains de ses confrères évêques, a porté ce regard spirituel sur les relations nouvelles que juifs et catholiques avaient désormais à entretenir selon la volonté de Dieu. La foi catholique et l'amour du dessein de Dieu en étaient le prix. Ne m'a-t-il pas confié un jour, après une rencontre qu'il eut avec le pape Jean-Paul II, le pape est le seul qui m'est reconnu. Est-ce que tu comprends ce que cela signifie pour moi C'est le pape qui m'a reconnu. On sait à quel point le pape Jean-Paul II a travaillé pour développer de nouvelles relations entre la foi catholique et la foi juive, entre les catholiques et les juifs. Le 8 décembre 2004, pour le 25e anniversaire de son ordination épiscopale, il prêche à la cathédrale Notre-Dame de Paris sur la fête de l'Immaculée Conception de Marie. Cette fête nous dit que l'histoire des hommes n'est pas un chaos absurde, de bruit et de fureur, né d'un inexplicable hasard, mais le déploiement d'un dessin de grâce et d'amour où toutes les vies humaines trouvent leur place, leur sens, leur appel pour coopérer au salut de l'humanité entière. Quatre mois plus tôt, présentant le voyage de Jean-Paul II à Lourdes pour le 15 août en la fête de l'Assomption de Marie, il écrit Cette espérance que l'icône de Marie immaculée et glorifiée laisse entrevoir permet de croire en la grandeur et la dignité de la vie humaine et peut renforcer en chaque homme, comme en chaque nation, la volonté de respecter toute vie humaine, son invisible beauté et son indestructible dignité, message mystérieux et parfois obscurci pour celui qui ne partage pas la foi chrétienne, message cependant ent entendu même dans le bruit et la fureur de notre temps, parce qu'il rejoint le plus secret désir inscrit dans le cœur de l'homme par notre Créateur et notre Rédempteur. Deux fois, en 2004, pour le 15 août et pour le 8 décembre, le cardinal Lustiger évoque l'histoire remplie de bruit et de fureur. Il cite alors Macbeth, qu'il a déjà cité dans une conférence qu'il a donnée à Washington en 1986. Tout cela, dit Shakespeare, n'est qu'une histoire racontée par un demeuré plein de bruit et de fureur et qui n'a aucun sens. La méditation mariale de Monseigneur Lustiger est sobre. Il n'en fait pas habituellement état. Elle est pourtant profonde, comme en témoigne la présence de la sculpture audacieuse posée dans le petit sanctuaire de sa chapelle à l'archevêché de la rue barbe Si Marie est la croyante, sa face non sculptée exprime la nuit de l'histoire non achevée, qui est aussi la nuit de la foi. Comme il, est, comme il aimait parfois l'expliquer aux personnes participant à la messe qu'il y célébrait. L'apôtre annonce la foi à un peuple dont la foi le précède. Marie en est l'icône lumineuse. Le cardinal Lustiger l'expliquera à propos de Jean-Paul II, qui ne cesse d'aller dans les sanctuaires divers consacrés à Marie dans les divers pays du monde. Marie, dans sa foi, précède le pasteur qui annonce la foi. Il le dit dans pour l'ordination de monseigneur Hardy à Beauvais. L'Église existe par la grâce du Père qui envoie sa parole, son Fils unique, le Sauveur, et par la puissance de l'Esprit Saint à l'œuvre dans le témoignage apostolique. Fondée par le Christ, l'Église précède donc tous ses ministres et chacun de ses membres. Elle est avant chacun de nous qui témoignons du Christ. Elle est en avant de chacun de ceux qui en reçoivent la grâce. Le signe de cette antériorité de l'Église par rapport à ceux qui la composent nous est donné par la figure prophétique de la Vierge Marie. Debout au pied de la croix, elle anticipe la fidélité des apôtres et leur mission. C'est ainsi qu'en février 1981, nommé à Paris, il écrit aux Parisiens ⁇ C'est à mes yeux tellement au-delà de la raison que je demeure dans la paix de Jésus-Christ, lui qui ne regarde pas mes péchés mais la foi de son Église. Oui, j'ai un vif désir de vous voir pour éprouver parmi vous le réconfort de notre foi commune. Telle est la joie de l'évêque quand, docteur de la foi, il rencontre la foi vive de son peuple. J'ai observé la joie émue du cardinal Lustiger dans la sacristie improvisée au palais Omnisport de Bercy, juste avant de la quitter pour célébrer la messe chrismale du jubilé de l'an 2000. Un dernier mot. Recevant à Paris un universitaire juif, il lui confie qu'il veut se réserver une jour, un jour par semaine pour le recueillement. Veilleur dans la nuit. Le cardinal Lustigé le fut dans le monde rempli de bruit et de fureur. Ce mot de veilleur résume à lui seul l'éthos de la foi et de l'amour pour l'évêque. Il ne peut l'être qu'en compagnie de Marie, qui était avec les apôtres au Cénacle de la Pentecôte. Le verset du psaume qu'il choisit en sous-titre de son livre La promesse l'atteste amplement. Mes yeux devancent la fin de la nuit pour méditer sur ta promesse. Marie a devancé la nuit. Ou plus exactement, elle est du côté de la nuit achevée. Ainsi, en est-il du pasteur qui, contemplant l'achèvement de la nuit, sur le visage immaculé et glorieux de la mère, l'apprend chez lui. Alors, la mémoire de l'évêque décédé se trouve à jamais gardée dans l'écriture qui affirme de lui, il a aimé l'Église et s'est livré pour elle. Si on peut dire que... Nous avons fait à travers ce colloque un acte d'anamnèse et peut-être de discernement. Euh, nous pourrions reprendre la parole de l'Évangile, que l'arbre se juge à son fruit et que probablement ce que nous avons entendu pendant ces deux jours euh, peut être aussi considéré comme un fruit. Du ministère de Jean-Marie Lustiger à l'égard du sacerdoce, car beaucoup de ce que nous avons entendu et beaucoup de ceux et de celles qui sont intervenus sont le témoin de cette action et de cette vision de Jean-Marie Lustiger. Je voudrais pour conclure reprendre simplement trois points qui me paraissent peut-être d'une actualité plus. Sensible dans les temps que nous vivons. Le premier point concerne l'interprétation de la crise des vocations. Euh, nous avons fait mémoire à plusieurs reprises de la lecture euh, à la fois sociologique et historique que Jean-Marie Lustiger a fait de l'évolution de la pratique de la politique des vocations dans l'église. Je crois que ce qui est important c'est de retenir en particulier la conviction qui était la sienne de ne pas se laisser enfermer dans un ratio statistique d'une autre époque. Cette tentation est probablement inévitable, puisque nous avons cette particularité de toujours imaginer notre présent et notre avenir à partir de ce que nous connaissons, et que donc nous nous référons aux épisodes précédents, si je puis dire, et avec la particularité qui est le signe d'une culture historique gravement lacunaire, ce qui nous précède ne remonte pas très loin. Ni, ni dans l'espace, ni dans le temps. Et donc, euh, on a malheureusement trop tendance à euh, comparer la situation présente à ce qui a pu exister il y a à peine un siècle. Cette approche est d'abord complètement stérile, puisque les conditions ne sont plus les mêmes. Et que euh, l'objectif de l'Église ne peut pas être de mobiliser ses forces pour équiper les villages de 200 habitants d'un curé résident. Donc la question est, est ailleurs. C'est une autre question. La deuxième remarque qu'il faut faire, et qui, qui rend difficile cette approche, c'est que, inévitablement, nous faisons cette approche avec des avec des sentiments de grands-parents. C'est-à-dire, nous faisons cette approche avec le sentiment euh, d'une génération qui n'a pas su faire. Voilà. Et les, les générations ne savent jamais faire. On ne voit pas très bien pourquoi la nôtre échapperait à cette règle générale que nous ne sommes pas capables de maîtriser la transmission, ni dans la réalité sociale, ni dans la réalité ecclésiale. Et donc si on se place au moment où on apprécie quelque chose sur une période de quelques dizaines d'années, ceux qui sont en situation d'apprécier pensent inévitablement qu'ils ont manqué quelque chose. Et donc ils abordent cette question avec le sentiment désagréable qu'ils ont, d'une certaine façon, à assumer une incapacité qui est la leur. Tout ça nous entraîne vers des jugements euh, sociologiques ou moraux, euh, dont le cardinal Lustiger a toujours pris soin de se tenir à l'écart. D'abord parce que très légitimement, il pouvait se sentir relativement innocent de ce que les chrétiens avaient fait avant, puisqu'il ne l'était pas. <laughs> Et donc, euh, il ne se sentait pas peser sur lui la culpabilité des communautés chrétiennes, mais aussi parce qu'il pensait, je crois à juste titre, que la, la lecture plus, plus analytique de l'évolution statistique faisait apparaître que les causes de cette évolution numérique n'étaient pas uniquement... Une défaillance du système de transmission, mais qu'elles étaient liées à une évolution des structures sociales et économiques de notre société, à une évolution des modes d'enseignement, etc., etc. Donc je ne reviens pas là-dessus, qu'il a dit 36 fois et de 36 manières. La question intéressante, c'est comment analyser le moteur de la vocation, si je puis dire, où est le, où est le noyau énergétique et comment ne pas se tromper sur les causes. Si on pose la question en termes de vitalité spirituelle d'une communauté chrétienne, ça ne nous donne aucune indication de nombre. Ça ne nous dit pas nécessairement qu'il y aura X% de prêtres par chrétien, mais ça pose une question qualitative sur les dynamismes qui traversent et qui émergent des communautés chrétiennes. Autrement dit, que produit la vie sacramentelle Que produit la célébration régulière de l'Eucharistie Que produit la prédication Que produit le partage de l'écriture, que produit l'appel spirituel à la conversion, quel est le dynamisme missionnaire. Voilà. Nous allons entrer dans une phase de préparation du synode des évêques sur la nouvelle évangélisation et ça repose inévitablement la question de savoir Comment nous comprenons aujourd'hui, comment nous pouvons comprendre aujourd'hui l'objectif missionnaire de l'Église et comment nous pouvons l'exprimer voilà. Car s'il n'y a pas une vitalité sacramentelle des communautés chrétiennes, et si cette vitalité sacramentelle ne s'exprime pas dans un dynamisme missionnaire, il n'y a pas besoin de prêtres. Et s'il n'y a pas de prêtre, c'est parce qu'il n'y en a pas besoin. Car s'il y en avait vraiment besoin, on en aurait. Si on place la question simplement en termes de distraction de la part de Dieu ou de surdité accentuée de la part des hommes, on ne s'en sortira pas. On ne peut pas supposer que Dieu a un moment oublié de faire quelque chose. Et on ne peut pas supposer que les cœurs soient fermés à ce point que si Dieu fait quelque chose, personne ne répond. Donc nous ne sommes pas dans cette problématique où on devrait réparer un dysfonctionnement de l'engin. On est dans une problématique où c'est la cause qui fait défaut, c'est-à-dire non pas la cause divine, mais la cause seconde qui est l'expression du dynamisme et de la mission de l'Église. Et donc la question c'est que l'on ne peut pas dissocier l'appel au sacerdoce de l'appel à la conversion de tous les chrétiens.